Salut. On fait pas trop de bruit. Nous devons tuer discrètement, discrètement, le messager. Voilà, on les suit tranquillement, sans se précipiter. Voilà. Double assassinat. Et on tue son ami. Voilà. Personne ne nous a vus. Et c'est bon. Voilà, parfait. Bon. Salut tout le monde et bienvenue sur Assassin's Creed Syndicate. Nous sommes toujours à la séquence 5. Ah, voilà. Et... Oh, attends. Oh, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu. Effectivement, il nous reste une mission apparemment à effectuer pour la séquence 5. La survie du plus adapté. Je suis prêt à parier que nous allons voir Charles Darwin. Mais pourquoi est-ce que j'en suis sûr? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité avant? Parce que j'y ai pas vraiment réfléchi. Non, d'abord, première question, où est Jacob? Où se trouve-t-il sur la carte? La mission, elle est là, mais lui, il est où? Je ne sais même pas où... Hey, il est là, ok. Ok. Attendez. Un peu... Oh ouais, événement... Il y a des événements communautaires? Ah ouais, d'accord. D'accord. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Course en circuit. Course en circuit. Au beau aller. Pouf. Et puis après, on fait la mission. Histoire d'essayer un petit peu toutes les activités avant de se lancer encore dans l'histoire. Alors attendez, j'essaie de me souvenir de ce qu'on a fait la dernière fois. On était avec qui la dernière fois? Oui, avec... avec ce bon vieux Alexander Graham Bell. Nous avons testé ces bombes voltaïques en tuant quelques innocents. Enfin, en même temps... Ok, ça tue, mais j'étais pas au courant. Je pensais que ça sonnait juste, que ça neutralisait, mais voilà quoi. Oh! Ah oui, lui, c'est vrai, oui. Le fameux... Je ne sais plus comment tu t'appelles. Hey! Allez! On a pu lui montrer qu'on savait se battre. Maintenant, on va lui montrer qu'on sait faire la course. Allez, c'est parti! Alors, d'accord, il y a 3 tours. Nous avons 3 concurrents. Hop là, attention. Est-ce qu'on a le droit de taper les autres? Parce que j'aimerais bien ne pas avoir à le faire, en fait. J'aimerais être sport. Ok. D'accord. Là, c'est de la provocation. Messieurs. Ok. Vous m'avez cherché. Vous allez me trouver. Oh, hey, c'est le repère. Coucou, repère. Chut, faut pas le dire. Il ne faut pas le dire. Hey, il défend bien sa position, hein, le gaillard. Hein? Allez, boum, je m'aide de toi pour tourner. Apparemment, il y a le droit, hein. Donc, hey. S'il y a le droit, je vais pas m'en priver. Parfait. Alors, en plus, comme c'était dans le virage, je me suis aidé de lui pour tourner, et je l'ai envoyé dans le mur. C'est parfait. Oh, la petite erreur du premier, le meneur de la course. On termine le premier tour. En tout cas, c'est très fun. C'est vraiment très très fun. Alors, le premier, évidemment, ne commet pas trop d'erreurs. Il en a commis une petite tout à l'heure. On essaie de bien prendre l'intérieur. Oh, attention. On menace le meneur de la course. On prend l'intérieur. Là encore, on le tape, on le perturbe. Et on prend la tête de la course, bien entendu. Alors maintenant, il faut faire attention. Voilà, bien suivre les points de contrôle. De sorte... Oh, mais il y en a qui prend un raccourci, là. Ouais, je te vois sur la carte, petit coquin, là. Il y a des petits tricheurs dans le coin, hein. Allez, maintenant le tout est de ne pas commettre d'erreur. On se fait rattraper. Voilà. Voilà, on le bloque bien. La route est trop étroite. Eh oui, là tu peux pas dépasser, mon gaillard. Allez, c'est bien. Voilà, pardonnez-moi, monsieur. Eh, c'est serré. Oh, c'est tendu. Oh, ils essayent de me mettre hors course.
Oh, la petite erreur. J'ai commis une petite erreur. Voilà, parfait, on le pousse. Voilà, exactement. Tout est permis. Hey, t'as réussi à me dépasser, mais alors là, là, je t'ai envoyé un petit peu au loin. Allez, cheval. Allez, cheval. Dégage. Dégage, monsieur. Voilà, maintenant qu'on est premier, c'est bon. On a juste à les pousser dès qu'ils se rapprochent un peu trop, et c'est bon. Bon, par contre, la voiture... Oh là là. Oh là là. Alors, non seulement le cheval commence à être fatigué, mais la voiture aussi. Oh, c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà, 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 voilà. Tout va bien, tout va bien. On gère maintenant, on gère. On gère. Il peut pas passer. Il peut pas passer. La route est beaucoup trop étroite. Hop là, hop, 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 hop. Il essaie de forcer le passage. Il essaie de forcer le passage. Poussez-vous, monsieur. J'ai une course à gagner, moi. Oh là là. Oh, attention, ça devient très chaud sur le finish. Voilà, parfait. On le pousse. Voilà, parfait, et on s'impose, vainqueur Jacob Fry. Ouh. Félicitations pour cette victoire. Merci Robert. Merci Bébert. Parfait. 800 livres de récompense. Magnifique. Et en plus, on a des objets de fabrication. Eh bien, c'est cool. Bon, maintenant qu'on a fait Mumuse et qu'on est content, on va aller faire la mission principale avec Jacob. Vol de cargaison. J'ai pas trop envie. En plus, la mission, c'est par là. Toutes mes excuses. Justement, j'ai pas un point de déplacement rapide. Bah oui, bien sûr. Bah oui. Bah alors. En tout cas, c'est très fun. Alors après, j'imagine qu'il y a des courses qui sont plus difficiles. Enfin, en tout cas, celle-là est... Enfin, pour une première, c'est assez amusant. Mais c'est vrai que les activités sont assez intéressantes. Moi, j'adore, par exemple, les clubs de combat. J'ai pu en faire quelques-uns dans des épisodes passés, et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment génial. Je préfère même ça aux courses. Les courses sont drôles, mais les combats sont tellement fluides, tellement beaux. C'est vraiment plaisant. Bien, bien, bien. Donc la mission. Oui, bateau de contrebandier, je m'en fiche. Ben, voilà, c'est par là. Ah d'accord, c'est encore... non, ça va peut-être pas être avec Darwin, ça va peut-être être avec Miss Hathaway, vu que c'est une... Peut-être qu'elle est encore dans sa voiture et qu'on va encore la voir avec Jacob. C'est possible. Quoique non, oui. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Est-ce qu'on va revoir Darwin? Non, parce que le nom de la mission laissait présager qu'on allait voir Darwin. Mais apparemment, on va poursuivre sur la même lancée que la dernière fois. À savoir aider Miss Hathaway à se débarrasser de son concurrent qui n'est pas très loyal. Hein. Je vais essayer d'attraper... Enfin, de rattraper... La voiture en courant. Oui, au passage, j'ai tué un ennemi. Ah bah c'est parfait, la voiture s'est arrêtée. Non. Non. Allez, vas-y. Bagarre. En 1 contre 1. Vas-y. Raté. Essaie encore. Ah d'accord, tu es sur la défensive. Boum, vas-y, attaque. Encore raté. Allez, vas-y, attaque. Bah oui, donc ma mission se barre. Excuse-moi, j'ai pas le temps. Ma mission s'enfuit. Allez, monte. Voilà. On va essayer de faire ça avec classe. Bon, la voiture s'arrête de temps en temps quand même. Hop.
là. Le lampadaire par là, est-ce que je peux? Ah, ici je peux, c'est pas mal. Allez Jacob, dépêche. Oui, à pied je me casserai moins la tête, mais c'est sympa comme ça aussi. Parce que regardez. Ouais bon, c'est pas grave. Bon. Oui, Miss Hathaway. Jacob, darling, venez donc. À notre partenariat fructueux. Et au moteur flambant neuf que j'ai entre les mains. Passons aux affaires. Milner a fui vers la Tamise afin de surveiller ses bacs. C'est tout ce qu'il lui reste. Prêt à y laisser la vie, sans doute. C'est justement ce que je compte lui prendre. Tuez-le. Ah, ce n'est pas votre premier verre de champagne, pas vrai? Le succès est plus grisant que l'alcool, monsieur Fry. Alors, gardez-m'en un peu. Oh. Là, ça devient sérieux. D'accord. J'ai eu peur, parce que pendant un instant... Sortir le pantin de Starik de son trou. La vue de ses bacs en flammes, peut-être. Très bonne idée, Jacob. J'ai eu peur parce que comme Jacob avait bu son verre et que Hathaway ne l'avait pas bu, j'ai cru pendant un instant qu'il y avait... Il y avait une entourloupe, genre, voilà, du poison, mais en même temps, non, c'est stupide, elle aurait eu aucun intérêt à le faire. Non. Ils sont associés, sauf que là, elle se montre un peu plus radicale hein, dans sa lutte face à son concurrent. En même temps, son concurrent n'est pas très loyal non plus. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Boum! Bah alors? Boum! Tout va bien, messieurs les agents, j'ai réglé le problème. Eh oui, quand les policiers sont corrompus, en notre faveur, ça facilite les choses. Monsieur l'agent. Monsieur. Voilà. Un petit peu de bagarre, ça fait du bien. Voilà. Ouh là 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 là. Le coup cri plus la lame, ça fait mal. Waouh! Cet homme a acquis une souplesse qu'il n'avait pas de son vivant. Fort bien. Donc, atteignons la contrebande de Milner, cette fripouille au service de Starik, notre grand ennemi. Et sans toucher la Tamise, donc, on ne se mouille pas. Enfin, on se mouille pas en plongeant dans la Tamise, parce que maintenant qu'il pleut, bah c'est un petit peu raté si on veut rester au sec. Ouais, d'accord, donc tout est fait vraiment pour compliquer la mission. Hein. Je peux pas utiliser le grappin pour éviter de me mouiller, justement. Ouais, écoutez, on va essayer voilà, d'aller ici, voilà. Alors, hop. Vite, vite. Hop, hop. Non, ça compte pas, ça compte pas. Ça ne compte pas. Voilà. Voilà, parfait. Tout va bien. Attendez, tout va bien, mais... Ah, comment je fais... Arrête. Est-ce qu'il y en a un autre? Ah non, d'accord. Ah non, c'est autre chose. Oh, j'ai eu peur. Oh, c'est bon. Tout va bien. Ok. Ah, la nuit commence à tomber, j'ai l'impression. Ok. J'aimerais bien utiliser le grappin pour monter là-haut, en fait. C'est bon, ça me le propose? Ouais, ça me le propose. Parfait. Parce qu'aller de bateau en bateau, c'est un petit peu casse-gueule, hein, si vous me permettez. Voilà. Parfait. C'est beaucoup plus sûr. Allons faire sombrer l'entreprise de Milner. Oh oui. Alors, oui, bah oui, bateau de contrebandier, oui, naturellement. Naturellement. Alors, est-ce qu'on pourrait pas semer un petit peu la zizanie, là? Maintenant qu'on est en haut et qu'on est, a priori, inatteignable pour ces fripouilles.
Alors, donc les caisses de dynamite, il y en a un petit peu partout. Hein. Alors, ils sont pas si nombreux. Donc saboter, saboter, et j'imagine que là-bas c'est saboter aussi. Ok, bah on va essayer de... Bon, on va descendre. Hein. Non ! Oh, l'idiot ! C'est pas ce que je voulais faire. Ah, oh, c'est bon. Non, c'est bon, je crois que... Oh là là, j'ai eu peur. En fait, c'est bon, il fallait pas toucher la Tamise en arrivant sur les lieux. Et maintenant que j'y suis, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Ah, j'aurais pu me planquer là-dedans, j'ai pas fait attention. Bon, peu importe. Un assassinat caché reste un assassinat caché. Alors par contre, comment voulez-vous que je sabote deux marchandises à la fois? Ah, peut-être. Ah oui, peut-être que j'amène une caisse là que j'allume et que j'amène une autre caisse là et que je l'allume aussi. Peut-être. C'est peut-être ça qui était attendu. Je suis pas sûr. Bon, on va essayer. Comment a-t-il réussi à passer ? Ah, il me voit ! Il me voit ! Non, 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 non. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ça va pas m'empêcher d'accomplir ma mission pour Miss Hathaway, qui apprécie grandement sa collaboration avec Jacob. Voilà. Bonne nuit. Dors bien avec les poissons. Voilà, on te porte. C'est un petit peu buggé, mais c'est pas si grave. Voilà. Il a failli ne pas aller dans l'eau quand même. Allez, bonne nuit. Plouf. pardon. Pardonnez-moi, c'est tellement drôle. Alors. Voilà. Une caisse de dynamite. Ici. Et une caisse de dynamite. Ici. On allume. Dépêche-toi. Voilà. Ouais. Ah, je viens de comprendre. Il fallait aligner les caisses de dynamite et tirer dans une d'entre elles pour créer une réaction en chaîne, peut-être. Bon, c'est pas grave. C'est pas si important. Voilà. Pousse-toi. Merci. Voilà, c'est pas un drame. On va s'en remettre. Bonjour. À ton tour. Boum. Les exécutions comme je les aime. Ouais, je pense que c'était ça qui était attendu. Aligner les caisses et avec une seule balle, tout faire exploser. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Bon, c'est pas si important que ça, on manque juste un petit bonus. Bon. Du coup. Une caisse de dynamite, une caisse de dynamite. Est-ce qu'il y en a dans le secteur? Oui, bien sûr que oui. Mais oui. Mais oui, mais oui. Pam pam pam. J'ai été un peu stupide, c'est vrai que j'aurais pu y penser un peu plus tôt. Et on observe un petit peu l'explosion. C'est beau. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah ah, te voilà, Milner. Malcolm, Milner. Dépêche-toi, Jacob.
Merci. Waouh, c'est chaud. Méga chaud. Alors, le couteau, enfin les couteaux pour la discrétion. On le siffle pour qu'il vienne. On l'assassine. Voilà. Il y a des tonneaux là-bas, d'accord. Si je fais tomber les tonneaux, est-ce que ça va distraire les gardes qui sont là? Non, mais ça l'a attiré par là. Au passage, j'ai assommé deux de ces gars. Ce serait pratique que je puisse monter là, par contre. C'était très très limite. Voilà. Oh, c'est parfait. Mais c'est parfait tout ça. Oh, depuis... Oui, depuis le grappin. Voilà. La tyrolienne, pardon. Mission accomplie. Hey, hey. Je savais que ce jour viendrait. Monsieur Starik était furieux de perdre les moteurs. Et voilà ma punition. C'est Pearl Attaway qui m'envoie, pas Starik. Alors ils travaillent de nouveau ensemble. Je n'aurais jamais dû me glisser entre Monsieur Starik et Miss Attaway. Les liens du sang sont toujours les plus forts. Comment ça, les liens du sang ? Oh oh. Il y a quelque chose que la dame ne nous a pas dit. Il est temps que j'aie une petite conversation avec cette chère Pearl. Oui, Pearl. Vous avez quelques explications à donner à Jacob. Allez, allons-y. J'ai tous les hommes. Attrapez-le. Voilà. Et on se barre. Au diable la discrétion. Cette vilaine nous a menti. Ou plutôt nous a caché la vérité. C'est pas pareil. Alors, monter pour avoir un meilleur point de vue et pour pouvoir aussi avoir des possibilités. Ah, oh, parfait. Ah, je me suis un petit peu cassé la tête quand même avec tous ces bateaux là tout à l'heure. Alors que j'aurais pu tout court-circuiter avec la tyrolienne. Ah, et c'est beaucoup plus simple comme ça, ça c'est sûr. Podum podum. Ah, il y a un coffre, dommage. Tant pis, tant pis. Alors. D'accord. Bon, parfait, vas-y, mouille-toi, mouille-toi. Hop, hop, mais c'est un templier, lui. Ah oui, d'accord, elle a pas perdu de temps, quand même. Alors, est-ce qu'on peut entrer par là? Non, on n'ouvre pas les portes dans Assassin's Creed. Ça ne se fait pas. Bah, tiens, il doit bien y avoir une entrée quelque part. Ouais, mais certainement pas là. Ouais, bah oui, la fenêtre, bien sûr. La fenêtre, enfin. Alors... J'étais persuadée qu'il savait que j'appartenais à l'ordre et qu'il était là pour me tuer. Imagine ma joie quand il m'a avoué son véritable but. Un assassin qui aide les Templiers.
Ça vaut son pesant d'or. C'est écœurant. Ce sont les affaires, cousin. Oublie tes œillères. Milner est mort et je possède la seule société d'omnibus de Londres. Nous avons déjà le monopole national du transport. Dès que mes omnibus seront équipés de tes moteurs, nous deviendrons des légendes. C'était mon plan depuis le début, mais avec Milner. Tu m'as forcé la main avec ta petite attaque de train. Crawford, je me suis dit qu'une réconciliation s'imposait. Ne gardes-tu aucun bon souvenir de notre enfance? Des étés à Midford. Toi et moi, près du ruisseau. C'est une réunion d'affaires, Pearl. Ton sentimentalisme est déplacé. Déplacé? Toute ma vie, j'ai entendu les hommes me jeter ce mot odieux au visage. Refuser de me marier était déplacé. Refuser de laisser un homme mener mes affaires était déplacé. Quel dommage que je n'ai pas accepté de t'épouser quand tu me l'as demandé. Tout serait plus facile pour toi aujourd'hui. Les omnibus t'appartiendraient de droit, et je serais à la maison, à divertir tes invités, au lieu de me comporter de manière si déplacée. Ça se termine toujours ainsi avec toi, Pearl. Sache que je le regrette. Moi, je regrette autre chose. Va dire Jacob. Cesse de me jeter ces regards noirs, cousin. Tu vas retrouver tes moteurs. Nos omnibus à pétrole vont nous rapporter beaucoup d'argent. Je vais devoir prévoir le rapatriement de ces moteurs à mon usine. J'exige ta présence à Waterloo, afin que tu t'assures que tout se passe bien. Bien sûr. Puisse le Père de la Sagesse nous guider. Dans toutes nos entreprises, cousine. Waterloo Station. La porte est coincée. Encore ? Y'a qu'à la secouer. Un homme a réussi à passer. Qu'est-ce que tu cherches ? Wow, ils sont bêtes à ce point-là. Bon, bah, on s'en va alors. Attends avant que je te brise le cou. Ainsi donc, la vérité éclate. Pearl Hathaway est la cousine de Crawford Starrick. Super! Donc, on s'est associé avec la mauvaise personne. Enfin, Milner n'était pas une option valable non plus. Hein. Il travaille aussi pour Starrick, mais disons que là, c'est presque pire, en fait. Bien, mission terminée. Schéma gantelé en cuir noir. Il faut que je regarde ça. Mais alors, maintenant, que se passe-t-il? Ouh, alors là, alors là, l'icône de la mission est assez explicite. Quelqu'un va mourir. Oh oui. Ce sera le terminus pour cette chère Pearl. Jacob aime pas trop qu'on lui mente. Ouh, les points d'expérience que ça va faire. Oh mon dieu. Alors, juste avant de se quitter, on va voir un petit peu ce que vaut ce gantelet en cuir. Fabrication, j'imagine. Oui, parce que oui, voilà. C'était un schéma. Et... ah bah c'est pas... alors attendez, lequel est équipé en fait? C'est pas... attendez. Ah oui d'accord. Ok. Ça coûte cher. En cuir ça va. Mais en argent, problème. D'accord, d'accord. Bon, quoi qu'il en soit... Jacob a été trahi. Et cette même nuit, sous la pluie londonienne, il va éliminer celle qui s'est servie impunément de lui. Impunément jusqu'à présent, bien sûr. Car pour elle, ce sera le terminus. Salut tout le monde, à la prochaine.